Salut tout le monde, c'est White et bienvenue dans mon nouvel appartement. Aujourd'hui, je vais vous faire un tout petit tour de mon nouveau chez moi. Je vais en profiter pour que ce soit pas encore super plein, super bien habillé et tout, pour vous montrer un petit peu les lieux et tout simplement où est-ce que je vis maintenant. Donc je suis déjà super content de pouvoir vous proposer ça aujourd'hui. J'ai enfin réussi à trouver un appart, enfin réussi à trouver quelqu'un qui me faisait confiance, parce que je vous le cache pas, franchement c'était la merde pour trouver un appart. Ceux qui suivent Tony FPS connaissent un petit peu tout simplement la difficulté du truc et je vais vous montrer un petit peu tout ça. Alors, juste ici mes amis. Juste ici, vous avez mon entrée. L'entrée, évidemment, qu'est-ce que j'ai collé sur l'entrée? Regarde, là, je vais coller ça sur l'entrée. Là, je vais pas te le cacher, c'est ma super salle de bain. On va juste faire un petit snap peek comme ça, là. Et puis, du coup, c'est d'ici que je rentre. Tac, je rentre. Donc là, pour l'instant, tu vois, il n'y a pas grand-chose, que j'ai juste un porte-manteau. Et juste derrière moi, en fait, là, il y a toute la pièce de vie. Toute la pièce de vie qui est super grande et juste à côté j'ai une genre de cuisine américaine qui est super stylée, sauf que en fait le problème c'est que ben il n'y a pas masse de choses. Là c'est un peu vide quoi. Il y a un frigo, il y a des trucs et ben, c'est tout. Tu vois, regarde, t'es mal frigo de pauvre. Voilà. Un frigo de pauvre en fait. Et là du coup ici. J'ai la petite table évidemment avec un kit, le starter pack de 6 chaises. Tranquille au calme pour recevoir du monde, t'as vu, on est bien posé, tout, on peut boire une bière d'ailleurs, il y a des cadavres de bière ici. Hein. Synonyme que des amis sont déjà passés par là. Voilà, juste là. C'est pas un placement de produit, tout va bien les gars. Et du coup, dans cette pièce de vie, ce que j'aimerais bien faire, c'est que là sur ce mur là, où il n'y a rien, j'aimerais mettre une armoire. Pour pouvoir ranger le reste de mes conneries. De l'autre côté, là-bas, là où il y a l'ordinateur, d'habitude, c'est là où je m'en... C'est ce dont je me sers pour mettre du son un peu. Hop, on va allumer tout ça. Enfin, voilà, pour l'instant, c'est le seul truc que j'ai pour me mettre du son un peu. Du coup, j'ai un vieux PC. Enfin, un vieux PC, il est stylé de ouf, quoi. C'est un Asus ROG, mais c'est tout ce que j'ai avec des tout petits haut-parleurs. Et du coup, pour cette pièce-là, ben, c'est standard. C'est là où tu reçois tes potes et tout. Et du coup, on va passer à l'étage. Là, tu vois. On va monter et là on arrive dans ma grotte. Alors tout ce qui est gaming room, le soleil, la variation de lumière mon pote. Alors là la base, pour la petite histoire, là pour t'expliquer un petit peu, tu vois tout ça. Ça c'est mon canapé, hein. Il n'y a pas encore de plaid dessus, il n'y a rien quoi. Donc c'est un canapé 4 places normal, la table basse, le meuble télé. Et pour vous expliquer un petit peu en fait, c'était quand? C'était hier. Hier je me suis promené, je voulais aller chercher ma télé, ma PS4 et tout ce qu'il fallait pour record et me faire un petit peu plaisir sur la télé. Jouer en off tout simplement et en fait bah, je tombe sur des super promos, je sais plus où j'étais, à But ou à Darty, un truc comme ça. Je me pose, je choisis ma télé, je choisis la barre de son avec le vendeur, on fait les fiches et tout. Je passe en caisse et j'ai pété le plafond de ma carte. Voilà, donc pour l'instant, je suis encore condamné à rester un petit moment sans télé ni rien. On verra bien quand est-ce que je pourrai la récupérer. Il faut juste que j'attende de pouvoir dépenser un peu de thunes de nouveau parce que pour l'instant, il n'y en a pas, quoi. Il n'y en a pas. Et donc ici, toute cette pièce-là, ça sera mon petit coin salon télé avec la console, jeux vidéo et tout. Et là, de l'autre côté, juste là, en fait, c'est mon setup qui pour l'instant est posé sur une table... Je suis posé comme un primate en fait, sur une toute petite table. Et pour l'instant, voilà, le seul meuble que j'ai ici dans la pièce, c'est effectivement celui-là, avec le trophée des 100 000 abonnés, qui est tellement délicieux d'ailleurs, merci encore. Très bientôt peut-être celui du million d'abonnés. Le béaba de la déco et c'est tout quoi. Et pour le moment dans la pièce, il n'y a rien d'autre à part effectivement le setup que j'ai derrière. Donc j'ai un triple screen, le troisième écran, je ne l'ai même pas encore branché. Et ben basiquement c'est tout quoi. Regardez, je suis posé sur... Quand je vous disais que j'étais posé sur une vieille table, le problème qu'il y a c'est que let's do the Harlem Shake. Donc quand je mets des coups de souris trop violents, ben, j'ai tout qui bouge. Donc si tu t'appelles Asus Acer et que tu regardes cette vidéo, il me faut un bureau. Si jamais, voilà, enfin moi je dis ça comme ça, mais je sais. Peut-être effectivement que je pourrais avoir un bureau ou je ne sais quoi, et du coup, ben voilà quoi, basiquement je suis posé là. Donc effectivement, c'est un peu sommaire encore. Hein, du coup, c'est vrai que pour le coup, ben il n'y a pas trop grand chose.
mais bah, j'aspire à le remplir au fur et à mesure. Et toute cette pièce-là, ce sera une gaming room à force, donc je veux des décors partout. Donc sur les murs, je veux des petites commodes, je veux des chibis partout, je veux des figurines pop partout. Je vais me faire un décor vraiment classe, en espérant que bah, ça rentre correctement. En tout cas, j'ai de la place pour meubler et faire un petit peu ce que je veux dedans. Et puis j'ai de la place pour accueillir du monde aussi, parce qu'à un moment donné, faudra penser à ramener une petite pouliche ici, quoi. Bah, c'est comme ça, qu'est-ce que je te dis, je vais pas moisir ici toute ma vie, tu vois, en attendant d'avoir une maison, cet appartement fera très bien l'affaire. Donc c'est un triplex, parce que tu vois, il y a encore l'étage là en haut, mais tout ça c'est les chambres et tout, donc je vais pas forcément vous les montrer. Mais en gros, j'avais vraiment envie de vous faire cette petite vidéo, puisque vous étiez pas mal à me le demander, et comme ça vous voyez un petit peu comment je suis posé pour le moment, donc... C'est chiant de ramener des meubles et de meubler tout simplement dans un appart. Donc c'est vrai que ça prend du temps et tout. L'organisation elle est un peu différente de quand t'es chez toi ou quand t'es chez tes parents. Parce que faut savoir aussi que avant j'étais gendarme. Donc j'étais dans un logement de fonction qui était déjà tout équipé quoi. Donc moi c'est vraiment ma première expérience dans un appartement. Et je vous le dis au début, entre les papiers, entre les meubles, entre l'électricité, les charges, tu comprends rien. Tu comprends rien, c'est beaucoup trop difficile. Et là du coup, ça va. Je suis emménagé, j'ai fait le plus dur. Je suis dedans maintenant, à voir maintenant. Il faut que je m'organise, que je fasse le bilan de ce qui manque, de ce que j'ai à sortir, du budget qu'il me faut pour le mois prochain et tout. Enfin voilà quoi. C'est là que ma vie d'enfant elle est terminée en fait. Et c'est là que tu te rends compte que tu es en train de vieillir. Parce que grandir c'est fini, tu vois, je perds mes cheveux et tout, j'ai 23 ans, je grandis plus, c'est terminé. Du coup j'espère que cette année sera synonyme de beaucoup de choses, notamment des 500 000 pour l'année prochaine. J'espère que l'année prochaine j'arriverai à viser les 500K. Et pour le coup, tu vois, j'ai plein de projets de vidéos. J'espère enfin que, en m'organisant avec le planning que j'ai, avec le temps que j'ai, etc., que j'arriverai à concrétiser tous mes projets. Donc, les projets J'ai Coaché, hein, si vous avez des youtubeurs préférés ou quoi que ce soit qui ont envie de faire du Rainbow Six et qui aimeraient participer à ma série, n'hésitez pas à leur en parler. Hein, J'ai Coaché, normalement, le prochain épisode, j'en ai parlé avec le frérot, ça sera Prince. J'aimerais aussi terminer mon guide sur Rainbow Six, donc le guide complet de Rainbow Six. Et du coup j'aimerais m'ouvrir un peu au multigaming, donc n'hésitez pas à me donner des retours dans les commentaires, à me dire si éventuellement ça vous plairait ou pas, ou ce que vous attendriez justement sur une chaise, une chaise, mais n'importe quoi, sur une chaîne qui est basée sur le FPS, TPS, à haut niveau entre guillemets, hein. Je vous le dis encore, je n'ai pas la prétention de me prendre pour le meilleur ou quoi que ce soit, mais je veux dire, je suis loin d'être le plus nul et j'essaye à chaque fois de proposer des trucs très corrects. Donc voilà, cette année en tout cas, cette année je vise les 300 000, 350 000, en espérant que ça se passe. Ce serait bien que ça reparte un peu à la hausse maintenant que j'ai le temps de m'en occuper. On verra bien, je vais aussi m'occuper de ma chaîne Twitch, donc ça sera full live sur Twitch. Si jamais les liens Twitch sont dans la description, vous pouvez faire un tour sur ma chaîne Twitch, ça coûte rien. Et puis pour le coup, je pense qu'on va s'abandonner là. Je pense qu'on a fait le tour et qu'on a dit l'essentiel. C'est une vidéo vraiment chill, annonciatrice du week-end pour que vous voyez un petit peu dans quoi je vis. Et je suis très content d'avoir partagé ça avec vous. C'est une vidéo en toute simplicité, tu vois. Il n'y a rien de fou dedans, mais j'avais envie de me prendre 10-15 minutes pour parler tranquillement avec vous, vous montrer un petit peu où est-ce que je vivais et puis dans quelles conditions quoi. Donc à noter, il y a le bureau à changer en priorité et le reste on verra quoi, il n'y a pas de souci. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, c'était White. N'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner à cette chaîne YouTube, hein. Tu peux aussi activer la petite cloche de notification et surtout suivez-moi sur Twitter, c'est là où il y a les concours et toutes les actualités. Des bisous de la famille, à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, peace.